Voilà, c'est-à-dire que tu dois être dans le moment présent, sortir de ta tête et être vraiment au niveau du ressenti de ton corps, de tes sens, de la musique. En fait, tu dois être dans un état de conscience et d'inconscience en même temps. Dès que je pose le pas, en fait, j'ai l'impression juste que je suis en train de porter mon armure à chaque pas. Donc j'essaie d'ouvrir mon esprit au maximum, en fait, genre vraiment oublier la réflexion humaine. Il y a cette barrière qui est là entre le corps et l'âme, et maintenant c'est genre d'aller, c'est vraiment l'âme venir. Quand tu aimes la danse, dès que tu entends la musique, quelque chose qui sonne à l'arrêt, subitement, ton corps demande ça. Genre la puissance que ça dégage, genre ça te bouffe, tu es obligé de goûter, tu es obligé d'y goûter, genre c'est obligé. Pour le faire, il faut que tu sois fort mentalement, moralement, et techniquement, physiquement, il faut que tu sois fort. C'est quelque chose de sacré pour moi, le corps. Le mouvement, c'est ce qui anime les choses. Beauté, fête. Le défi permanent de maintenir un certain équilibre entre les rêves et la réalité. À travers la danse, on peut juste se reconnecter, pas besoin de parler, mais juste avec le feeling, en fait. Les danses africaines, c'est un dialogue permanent avec le cosmos. I'm living behind the paradise. Nous, on est des Ganawarasia. Derrière le paradis, c'est là-bas qu'on vit. À plus tard, les gars. Ça peut être.